Découvrez cette vidéo, comment faire pour que plus personne, lorsque vous les contactez, vous dise « Oh, tes produits sont trop chers ». Vous allez voir une stratégie tirée de la neuroscience qui va faire que, eh bien, tous vos contacts proches, lorsque vous allez les contacter, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, eh bien, ne pourront plus jamais vous dire « Tes produits sont trop chers ». Donc, découvrez cette astuce dans cette capsule vidéo de 3 minutes. Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux, dans le but de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez que vous avez un lien au-dessus qui vient d'apparaître qui vous permet, si vous le souhaitez, d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et faire votre test de performance. C'est à vous de voir si vous souhaitez y accéder. Donc effectivement, beaucoup de distributeurs, bien sûr, dans le MLM, se retrouvent confrontés souvent à des prospects qui sont souvent des prospects du cercle d'influence, qui vont avoir tendance à vous dire « Ouais, mais tes produits sont trop chers ». Et c'est vrai que ça peut être très dérangeant, ça peut être handicapant, on n'ose même plus après oser présenter ses produits à ses proches alors qu'on pourrait les aider. Et vous allez découvrir justement une astuce tirée de la neuroscience qui va vous aider eh bien, à faire que vous allez faire tomber cette objection avant qu'elle arrive. Et c'est celle qui est géniale parce que vous devez absolument faire ce genre d'approche. En faisant l'anticipation d'une objection, eh bien, ça vous donne la chance de pouvoir donner la chance à vos prospects de tester vos produits et ensuite de devenir pourquoi pas des clients fidèles. Alors comment faire ? Donc on est tous d'accord que quand on fait une présentation de ses produits à ses prospects proches, bon, bien, il y a une certaine complicité, familiarité et ils vont se permettre certaines choses qui souvent des prospects froids n'oseraient pas. Alors sachez que quand vos prospects déjà vous disent que vos produits sont trop chers, eh bien soyez tranquille, c'est simplement pour voir comment vous allez vous en sortir avec cette objection. Ce n'est pas réel, c'est pas une véritable objection derrière tout ça. Il n'y a pas véritablement de volonté de ne pas consommer vos produits. La réalité c'est qu'il n'y a rien de cher. À partir du moment où ça répond à un besoin et que ça règle un vrai problème, en réalité finalement le prix n'a plus d'importance. Mais comment faire pour que vos prospects n'aient plus besoin de vous dire ce genre de choses et que vous puissiez vous assurer, vous et vos équipes, que ce soit toujours tranquille et que le chemin, les portes soient ouvertes? Eh bien, vous savez quoi? Vous devez faire ce qu'on appelle de l'anticipation d'objection au moment où vous faites l'invitation. Donc, supposons par exemple que vous soyez sur Messenger, mais on va le faire aussi au téléphone. Au téléphone, c'est du direct. Vous appelez, vous prenez effectivement votre script que vous devez absolument connaître. C'est ce qu'on enseigne d'avoir un script en 5 étapes, de pouvoir inviter facilement. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est que quand on va placer eh bien, le compliment, eh bien, le compliment va être autour justement de cette objection. Et on va juste dire à son prospect, écoute, voilà, je me permets de te contacter, sachant que je sais que tu es quelqu'un qui apprécie les produits haut de gamme. Si vous dites à quelqu'un que vous la reconnaissez comme quelqu'un qui apprécie les produits haut de gamme, elle ne pourra plus vous dire que les produits sont chers. Donc c'est la même chose sur Messenger. Sur Messenger, vous allez le faire en deux temps parce que c'est votre cercle d'influence. Vous allez d'abord les contacter une première fois en leur disant « Coucou, comment vas-tu » et vous attendez de voir si effectivement ils sont actifs sur les médias sociaux. Sinon, vous passez au téléphone, bien sûr. Mais s'ils vous répondent, c'est l'occasion dans votre script de le placer. Et leur « Coucou, voilà, écoute, je t'appelle rapidement ou je t'écris rapidement. Voilà, j'ai pensé à toi, sachant que je sais que tu es quelqu'un qui apprécie les produits haut de gamme. Et là, je suis sur un truc surprenant. Prenant. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a tout un script derrière. Mais si vous faites ce genre de choses, mes amis, c'est-à-dire que si vous vous amusez à utiliser l'idée que vous les reconnaissez comme des personnes qui apprécient les produits haut de gamme, eh bien vous venez de faire tomber l'objection que vos produits sont trop chers. Testez, mes amis, partagez dans vos équipes parce que vous allez les aider et parce que ça n'a jamais été le meilleur moment pour réussir dans le monde du MLM. Allez, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication, puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.